Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation entre la science et la religion, et tout particulièrement des avancées scientifiques et de la pratique religieuse. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter Mohamed Moussaoui. Vous êtes le président du Conseil français du culte musulman et vous êtes vous-même mathématicien, enseignant-chercheur dans la discipline analyse des mathématiques. Et à vos côtés, le professeur Ahmed Jabbar, bienvenue. Vous êtes professeur émérite à l'université Lille 1. Vous êtes chercheur, historien des sciences et notamment des sciences arabes. Récemment, il y a eu un colloque qui s'est tenu sous l'égide du Conseil français du culte musulman pour parler de l'observance du jeûne quant à l'observation du croissant lunaire. Et je vous conviens à regarder cet extrait du colloque, et c'est un sujet signé Marie-Annick Leguer. Regarde. Le jeudi 9 mai 2013, le Conseil français du culte musulman a réuni à Paris des personnalités religieuses et scientifiques afin de mettre en place un calendrier lunaire basé sur le calcul et conforme aux principes et aux finalités du droit musulman. Le système Terre, Lune et Soleil. Certains tiennent naturellement à marquer leur attachement au rite qui veulent que la nuit du doute, vous savez, la nuit qui précède la décision, puisse être maintenue parce que c'est une recommandation du prophète de l'islam et qui est très ancrée dans la vie des musulmans. Est-ce qu'on doit déterminer les débuts du mois en observant la naissance du croissant lunaire ou on peut se baser sur le calcul scientifique? Dans pas mal de pays européens aujourd'hui, on s'achemine vers cette solution de calcul. Déjà, chose faite en Allemagne, dans les pays scandinaves également, pratiquement dans tous les pays de l'Europe de l'Est. Après un débat passionné, il a été décidé de retenir la règle adoptée au sein de la Conférence mondiale sur l'observation de la Lune en novembre 1978. La méthode que nous utilisons consiste à attendre la veille du mois de Ramadan, par exemple, et de regarder les annonces effectuées par les pays du monde musulman, regarder les données astronomiques, et puis de faire une conciliation entre les deux et sortir avec une décision unanime. Mais les musulmans, ils devaient attendre la veille. Aujourd'hui, ils auront leur calendrier à l'avance, ils peuvent effectivement s'organiser en termes de congés. Les employeurs, les entreprises, les administrations peuvent également tenir compte de ce calendrier pour délivrer des autorisations d'absence et mieux organiser la vie d'une façon générale. Donc il y a un certain nombre de dispositions pratiques qui peuvent intéresser à la fois les musulmans de France, mais également les différents acteurs qui sont concernés par certaines pratiques religieuses, telles que les mairies qui mettent à disposition des gymnases, par exemple, pour la prière de l'Aïd, puisque les lieux de culte traditionnels ne peuvent pas forcément accueillir tout le monde. Les préfectures sont concernées pour Eid al-Adha, pour l'Aïd al-Kébir. L'adoption d'un calendrier lunaire sur une base scientifique permet d'ores et déjà de fixer la date du début du Ramadan au 9 juillet et la fête de l'Aïd au 8 août. La satisfaction la plus importante pour moi, c'est le fait que toutes les composantes de CFSEM sont aujourd'hui autour de la table. Je pense que le chemin parcouru par cette institution et par les musulmans de France d'une façon générale dans l'organisation de leur vie culturelle pourrait nous encourager à voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Les élections du CFCM auparavant ne donnaient qu'une minorité décisionnaire et pas suffisamment d'ouverture sur la concertation des musulmans. C'est un début, un très bon début. Mohamed Moussaoui, pouvez-vous nous dire quelle a été la genèse de ce colloque et pourquoi avez-vous décidé finalement au sein du CFCM de le tenir et à propos de cette question particulièrement?
Oui, comme je le rappelais il y a un instant dans le reportage que vous avez fait passer, le Conseil français du culte musulman, à la veille de chaque Ramadan pratiquement, il était amené à d'abord attendre les décisions d'autres pays musulmans, puis regarder également les données astronomiques. Et souvent, on était amené à faire des arbitrages quelquefois difficiles. Et je dirais qu'il y avait même quelque part un manque de lisibilité quant à... aux critères utilisés par le Conseil français du culte musulman pour prendre sa décision. La réflexion a commencé dès 2008. Dès 2008, il y a un groupe de travail qui a été mis en place au sein du Conseil français du culte musulman et qui avait comme mission de réfléchir sur la possibilité d'établir le calendrier lunaire d'une façon générale en se basant sur le calcul astronomique. Donc ça contenait évidemment, implicitement, le début de Ramadan, la fin de Ramadan, etc. Mais le but c'était vraiment d'établir le calendrier lunaire basé sur le calcul scientifique. Parce qu'il faudrait dire, comme préliminaire, qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut pas utiliser le calendrier lunaire basé sur l'observation comme un calendrier qui permettrait de dater des événements. Si je vous dis, dans 2 mois, on va organiser une conférence, une rencontre, et je souhaiterais la dater avec le calendrier lunaire basé sur l'observation, je ne saurais pas si, par exemple, le 18 Chawal, par exemple, ça serait un lundi ou un dimanche. Ahmed Jabbar, nous avons entendu parler de ce calendrier lunaire. Sur quoi est-il basé? Comment se présente-t-il, le calendrier lunaire? Pour les scientifiques, c'est un calendrier comme les autres. Sauf qu'il a quelques difficultés supplémentaires par rapport au calendrier grégorien. Mais les chrétiens avaient leur calendrier grégorien, les juifs avaient leur calendrier semi-lunaire, semi-solaire, et puis la décision a été prise que les musulmans utiliseraient à partir d'un certain moment donc un calendrier lunaire. Donc, pour un scientifique, c'est un calendrier qui a besoin d'être établi à partir de démarches scientifiques. Ces démarches scientifiques, évidemment, vous l'avez très bien dit, doivent commencer par l'observation. Mais lorsqu'elles ne s'arrêtent qu'à l'observation, ou au consensus, ou à la référence à une tradition historique, quelle que soit sa noblesse, bien sûr, eh bien, pour les scientifiques, il manque quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, les travaux sur scientifiques purement ont commencé dès le 8e siècle, dès la fin du 8e siècle, dans la civilisation de l'islam. Alors, pour revenir au calendrier lunaire islamique, cette fois-ci, l'an 1 correspond à l'année égyrienne, au calendrier égyrien. Mohamed Moussaoui. Tout à fait, ça a été établi par le deuxième calife, en fait, qui a décidé de commencer le comptage des années à partir de l'hijra, de l'immigration, de cet événement important. Et puis après, les savants musulmans se sont intéressés. Alors de quel égir s'agit-il? Précisons qu'il s'agit de l'immigration du prophète, donc de la Mecque vers Médine. Mais les mois lunaires, les textes coraniques sont clairs. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 fi kitabillah yawma khalaq as-samawati wal-ard. Le nombre de mois devant Dieu sont de 12, et depuis qu'il a créé, le jour où il a créé les cieux et la terre, aussi notre verset coranique dans lequel le prophète a été interrogé, à quoi servent les phases lunaires, yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj, il t'interroge sur les phases lunaires, dit c'est pour compter le temps, pour mesurer le temps, et pour aussi déterminer les moments de pèlerinage. Donc, quelque part, le calendrier lunaire a été instauré par les textes coraniques. En plus, bien sûr, de la tradition du prophète, lorsqu'il parle, par exemple, du jeûne de Ramadan, il disait « jeûnez lorsque vous le voyez », en parlant du croissant de la lune. C'est une traduction, en fait. « Somu l'héroïatihi ou afteru l'héroïatih ». Et même le verbe « voir » n'est pas nécessairement... Tout à fait. Certains donc, diront que le verbe ro'yatihi, ça ne veut pas dire forcément voir, ça peut être prendre connaissance ou savoir. C'est dire en fait que les textes eux-mêmes, d'après plusieurs savants musulmans, disent qu'ils instaurent le principe d'utiliser le calendrier lunaire comme un moyen de compter le temps, mais ils ne précisent pas comment déterminer le début et la fin du mois. Oui, d'autant plus que l'année lunaire, Ahmed Jabbar, ne compte que 255 jours. Il y a un déphasage par rapport à l'année solaire. Tout à fait. En fait, il y a trois problèmes
trois problèmes se sont posés dès le départ dans la pratique religieuse au quotidien. Il y a la détermination de la direction de la Mecque, la Qibla, pour construire des mosquées, bien les orienter, ou alors sans mosquée pour que le fidèle puisse s'orienter dans sa prière vers la Mecque. C'est un problème difficile, mathématiquement, astronomiquement, c'est-à-dire géographiquement. Il y a le deuxième problème, qui est la détermination des cinq moments des prières, en particulier celui du Asr, qui est de l'après-midi, qui est un moment très difficile à déterminer et qui aura besoin aussi d'outils mathématiques. Donc le troisième, celui du calendrier, a ses difficultés un peu plus grandes. Et donc, Pourtant, c'est le troisième problème, celui des calendriers, qui va créer le plus de débats, de discussions, en tout cas pas dans les milieux scientifiques, puisque dès la fin du 8e siècle, Yaqub ibn Tariq, un des premiers scientifiques donc, de l'époque d'Al-Mansour, quand même, qui est mort en 775, c'est le calife abbasside qui a fondé Bagdad, le deuxième calife. Et alors, il a commencé à poser les éléments de base, les critères, comme on dirait, les critères à ce moment-là scientifiques par rapport aux autres critères, qui sont un critère d'observation et un critère sociétal, pour pouvoir trouver la solution. Et c'est lui qui est le premier, semble-t-il, du moins à son école, qui a adopté le critère indien, on l'oublie, le premier critère est indien, qui est que le croissant ne peut être visible que si l'écart de temps entre le coucher du soleil à l'ouest et le coucher de la lune dépasse 48 minutes. Et à partir de là, les astronomes qui vont venir vont travailler avec ce critère indien, parfois en utilisant certains critères de Ptolémée. Et puis, il va y avoir une longue tradition qui va passer par Al-Khawarizmi, le fameux père de l'algèbre et du calcul indien, qui est le premier connu à avoir publié les premières tables qui donnent avec précision pour chaque mois de l'année, disons avec précision, pour les outils de l'époque, bien sûr, la réponse, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on ne voit pas le croissant. Et là, vous voyez, là, ce sont des tables qui vont être établies depuis le 9e siècle jusqu'au 19e siècle, régulièrement. Il y aura des éphémérides et il y aura des tables spéciales pour le calendrier lunaire. Oui. Bien. Et d'ailleurs, c'est marqué parfois, tel mois, ce n'est pas lié spécialement au Ramadan, tel mois, Le croissant est visible. Oui. Tel mois, il est bien visible. Tel mois, il est impossible de le voir. Donc ça veut dire que le lendemain, ce n'est pas le Ramadan, c'est le surlendemain. Et ces réponses ont été données dès la fin du 9e siècle. Donc à cette époque-là, Mohamed Moussaoui, y avait-il eu des débats emportés entre théologiens et scientifiques? Tout à fait. D'ailleurs, je parle sous le contrôle d'un historien des sciences islamiques. L'astronomie a été effectivement propulsée par ces problèmes que vient de poser le professeur Jebar. C'est la direction de la Qibla, les heures de prière et le début des mois lunaires. Et il faut dire également que dès le 8e siècle, effectivement, mais jusqu'au... Il y a une fatwa qui est rapportée de l'imam Subki, de 14e siècle. Une fatwa étant un avis religieux. Un avis religieux, donc, il considérait que l'observation oculaire, lorsqu'elle est contradictoire aux données scientifiques, c'est-à-dire si l'astronomie nous dit clairement que c'est impossible que la Lune soit visible, soit parce que la conjonction n'a pas eu lieu ou pour d'autres considérations, il réfutait l'annonce faite ou le témoignage fait par ceux qui auront dit qu'ils avaient observé. En d'autres termes, l'observation déjà oculaire, elle était assujettie à un critère qui est le fait qu'elle ne soit pas contredise par le calcul scientifique. C'est dire que les savants musulmans, les fuqaha, les juristes du droit musulman, ont déjà intégré la dimension calcul dans la prise de décision ou le fait de recevoir un témoignage ou pas. Et comme vient de le rappeler professeur Jebar, les heures de prière ou même le moment où on commence le jeûne, le moment où on l'interrompt dans la journée, ça n'est plus sujet de discussion, de débat. Tout le monde se remet à son calendrier basé sur le calcul, à sa montre basée sur le calcul, et puis il va observer simplement, il va regarder le temps, puis il va appliquer. Le verset coranique, on pourrait dire... Si vous voulez bien le traduire pour nos... Effectivement, donc, mangez et buvez jusqu'à ce que vous faites la différence entre... jusqu'à ce que l'aube soit levée. Et, et,
Et ce verset coranique, donc, normalement, si on devrait le prendre à la lettre, chaque musulman doit effectivement observer à l'œil nu ce moment de la journée, l'aube, qui n'est pas le lever du soleil, c'est bien avant. Et c'est le moment où l'obscurité atteint son maximum et commence à décroître pour laisser place au jour, qu'une personne sensée nous demanderait aux musulmans de sortir chaque matin, de vérifier à l'œil nu que ce moment est intervenu. Ahmed Jabbar, comment se fait-il que ce calendrier lunaire ne corresponde pas à la différence qu'il y a par rapport au calendrier de l'ère commune? Parce qu'il y a un problème de calcul, il y a une formule d'ailleurs approchée, parce qu'elle n'est pas exacte, pour les raisons que nous avons dites d'une manière directe ou indirecte, le nombre de jours du mois lunaire, d'autres phénomènes astronomiques, etc., qui fait que effectivement il y a des glissements, et il faudrait à chaque fois normalement rétablir. Et il y a une formule qu'on apprend à nos étudiants, d'ailleurs, avant qu'il y ait Internet, on l'enseignait à nos étudiants, pour passer de l'ère de l'Égypte, de la datation de l'Égypte à la datation chrétienne et inversement. Moi, si vous permettez, je voulais ajouter une chose qui est très importante, qui va dans le sens de la démarche sociétale qui, parfois, semble s'opposer à la démarche scientifique. En fait, cette démarche sociétale, elle a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est tout à fait normal, dirait-on, qui est que des groupes de la société, pas du tout des ignorants, préfèrent continuer toujours à se comporter en fonction de la tradition du moment de l'époque du prophète. C'est une attitude tout à fait respectable d'ailleurs. Et même quand ils ont des réponses scientifiques, en leur âme et conscience, il leur semble que être bon musulman, c'est suivre cette tradition. Et puis il y a l'autre dimension, qui elle n'est pas liée au comportement de la tradition, liée tout simplement au fait que le niveau d'instruction d'une société est élevé ou bien il est bas. Vous savez, nous ne connaissons pas de débat sur cette question entre le 9e siècle et le 13e siècle. En tant qu'historien, j'ai peut-être rencontré quelques éléments, mais grosso modo, j'ai plus rencontré des discussions de citoyens, de fidèles, qui protestaient parce que on leur a dit que leur mosquée était mal orientée et qui accusaient les architectes d'avoir construit une mosquée mal orientée. Et alors ils disaient... En dépit du calcul Justement, ils disaient aux astronomes, s'il vous plaît, aidez-nous, donnez-nous la meilleure... ça veut dire que la population cherchait la solution scientifique. Ça, c'est intéressant. Quand ils savaient qu'elle existe. Voilà. Et puis, il y a le phénomène de déclin de la société, qui est un peu universel. Et pour le calendrier, si vous permettez, nous avons recensé, les professeurs Kennedy, King, nous avons recensé entre le 8e siècle et le 19e siècle 200 ouvrages dans lesquels il y a toujours des tentatives de réponse scientifique à la question du calendrier lunaire. 200 ouvrages qui sont recensés, sans parler de ceux qu'on n'a pas encore catalogués, qui sont peut-être dans les bibliothèques. Et dans ces ouvrages, il y a tout un effort depuis le 8e jusqu'au 19e pour pouvoir trouver les solutions. De production islamique, Absolument. Bien sûr. Et de savants musulmans. Tous musulmans, ou des savants païens, mais qui sont des citoyens. En contexte islamique. Et donc, ces ouvrages, il y a des spécialisés pour résoudre ce problème de la visibilité du croissant de lune, avec des apports de chaque savant d'une telle ou telle époque qui apporte des éléments nouveaux. Par exemple, Khawarizmi a apporté un élément nouveau. Al-Battani, au Xe siècle, a ajouté un critère. Il y a Ibn Yunus, au XIe siècle, au Caire, à l'époque fatimide, qui va ajouter, c'est le premier, qui va dire il faut quand même tenir compte de la luminosité du ciel. Il faut tenir compte aussi de l'œil, des capacités physiologiques. De l'observateur. Voilà, et etc., etc. Bien sûr. Si je puis dire, Mohamed Moussavi, devant cette tradition scientifique, comment se fait-il que les traditionnalistes de nos jours émettent tant de réticences et parlent d'innovation, même pour certains une innovation blâmable? C'est vrai que la notion d'innovation, d'ailleurs, je pense que sur laquelle il faut peut-être s'attarder une petite minute. Mais bien sûr. C'est pas tout ce qui est nouveau doit être blâmable. Je rappelle tout simplement que le texte sacré, le Coran,
L'alphabet dont il est écrit aujourd'hui n'est pas l'alphabet ou la forme de l'alphabet à l'époque du prophète de l'islam. Il faudrait rappeler que les lettres, par exemple, ba, ta, tha, ya et nun, ces cinq lettres s'écrivaient de la même manière. Il n'y avait pas de points. Il n'y avait pas les points diacritiques. Tout à fait. Il n'y avait pas non plus de voyelles simples. Donc, et pourtant, les musulmans ont accepté facilement que le Coran soit transcrit de cette manière-là, justement pour faciliter, on en arabophone, la lecture du Coran. Je pense que les savants musulmans ont toujours eu cette tendance de profiter du savoir et de l'état de la science pour permettre aux musulmans de pratiquer mieux leur religion. Si cette décision n'a pas été prise avant, parce que je pense qu'elle nécessite quand même une meilleure connaissance de l'astronomie. On parlait de la décision, la décision prise par le Conseil français de culte musulman. Elle nécessite quand même une meilleure connaissance de l'astronomie. Elle se base également sur des calculs liés à l'informatique également, parce qu'il faut faire plusieurs points, quadriller le globe pour étudier toutes les possibilités. Parce qu'on souhaitait effectivement, dans cette décision qui a été prise, on souhaitait quand même que les conditions d'observabilité de la Lune soient requises. On ne se base pas uniquement sur la conjonction. Et on souhaitait également que la décision soit de caractère universel, c'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque les conditions sont satisfaites sur un point du globe, le mois débute pour tout le globe. Oui. Ahmed Djebbar, actuellement, les pays dits musulmans, où la majorité de la population est musulmane, quels sont les calendriers en vigueur? Vous savez, mais nous en avons déjà discuté avec M. Moussaoui, le paradoxe apparent, mais en fait ça c'est les contraintes de la vie sociale, c'est que dans la majorité des pays arabes et musulmans, ce qui fait fonctionner la société, c'est le calendrier grégorien, dans la vie de tous les jours. Et le calendrier lunaire intervient dans les domaines de la pratique cultuelle ou bien de la vie sociale qui a un lien avec les pratiques cultuelles. Et c'est un phénomène qui ne choque plus personne, semble-t-il. Et donc ça procède de la vie, de la dynamique de la société. Et je signale que même pendant la grande civilisation de l'islam, les choses fonctionnaient de la même manière. Je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, mais les paysans musulmans pendant 1000 ans ont fonctionné essentiellement avec le calendrier grégorien, tout simplement parce que c'est le calendrier qui suit les saisons. Et qui s'adapte à l'agriculture. Qui s'adapte à l'agriculture, à la vie, disons. Et ce qui ne les empêche pas d'appliquer le calendrier lunaire en tant que bons musulmans. Oui. Ce n'est pas contradictoire. Mohamed Moussaoui, à votre connaissance et en ce moment, et après ce que vous avez décidé pour la France, est-ce que ailleurs, et pour les pays musulmans, il y a cette décision de fixer les fêtes religieuses et justement pour la question liturgique et de pratique, le ramadan est fixé? La conférence sur l'observation de la Lune, conférence mondiale sur l'observation de la Lune de 1978, a réuni de nombreux pays musulmans. Et il y a eu donc cette discussion autour de la possibilité d'établir un calendrier lunaire universel basé sur le calcul. Le principe a été pratiquement adopté, de telle sorte que lorsque j'ai posé des questions à des théologiens qui ont participé à cette rencontre, ils m'ont dit « Nous, théologiens, nous avons tranché. Après, c'est une question politique d'adopter le principe du calcul. » À partir de 1978, il y a la Turquie qui l'a adopté. Il a adopté donc un calendrier lunaire, et puis tous les pays donc à majorité musulmane de l'Europe de l'Est, que ce soit la Bosnie, la Macédoine, même les minorités musulmanes d'Albanie, dans toute l'Europe, toutes les minorités turcophones, ou en tout cas en lien avec la Turquie, l'ont adopté également. En Allemagne également, des grandes communautés musulmanes l'ont adopté, en Angleterre également, mais en tant que minorité musulmane vivant en France, je pense que, je pourrais dire de cette manière-là, les minorités souffrent plus de cette situation que les musulmans vivant dans des pays à majorité musulmane. Parce que lorsque vous attendez la veille, dans des pays à majorité musulmane, la décision prise par une autorité religieuse, automatiquement l'administration et tous les secteurs de la vie suivra. Dans des
dans des pays laïcs où la minorité musulmane est censée suivre, bien sûr, le cours de la vie civile, ils sont obligés de s'organiser par eux-mêmes. Et donc, du coup, les minorités musulmanes sentent plus la nécessité de mettre en place un calendrier qui permettrait de, finalement, de s'organiser à l'avance. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Jebbar, il est quand même pas raisonnable que les musulmans ne puissent pas avoir de calendrier. Parce qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas le calendrier grégorien? Si le calendrier grégorien n'a pas existé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et donc on peut considérer que c'est une forme de progrès d'établir ce calendrier, surtout de fixer les dates. Ahmed Jebbar, finalement là, les données scientifiques et les avancées technologiques sont au service d'une pratique religieuse. Et ce n'est pas pour autant que cette pratique doit être entachée d'une quelconque altération. Au contraire. En tout cas, c'est mon sentiment en tant que simple citoyen, bien sûr. Moi, je ne le donne pas, de fait, toi. Mais encore une fois, il ne faut pas être un avis religieux. Oui, je voulais insister sur le fait aussi que c'est lié aussi à la dynamique sociétale. Il y a une dynamique sociétale des communautés musulmanes en Europe, comme il y a eu d'ailleurs dans l'histoire des dynamiques sociétales des communautés musulmanes en Chine, on l'oublie, qui ont un vécu musulman qui n'est pas tout à fait à 100% celui des Malikites du Maghreb. Les communautés du Vietnam aussi, les communautés d'Indonésie. Donc il y a des dynamiques internes et on n'ira jamais accuser un musulman du Vietnam ou de Chine d'être un mauvais musulman par rapport à celui du Maghreb. Et ça, c'est très important. Les choses s'aggravent, on régresse parce qu'il y a un phénomène sociétal qui est qu'on revient à un certain type de comportement un peu littéral ou dogmatique. Voilà. Mohamed Moussaoui, comme nous arrivons au terme de l'émission, est-ce que vous pouviez nous dire quelles sont finalement les conséquences pratiques cette fois-ci, heureuses, nous l'espérons, pour les musulmans français et par-delà les musulmans de par le monde? Nous considérons que l'observation de la Lune, c'est un moyen. Elle était simple et efficace à l'époque du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, mais le moyen, quelque part, il peut changer selon le contexte. On est dans un contexte différent, très différent, et donc nous considérons que le début de la façon dont on va déterminer le début et la fin du mois, c'est un moyen pour arriver à une finalité, c'est commencer une adoration qui est le jeûne. Et le moyen, il a toujours changé. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la transcription du texte coranique. Oui. C'est un moyen pour écrire le Coran, mais la lecture du Coran va rester. Alors, maintenant, pour les répercussions, elles sont nombreuses, effectivement. Rien que le fait de pouvoir s'organiser à l'avance est important. Le fait de s'unir aussi, ne pas rester ballotté entre les décisions prises ailleurs. C'est-à-dire que, ça concerne les musulmans français. Tout à fait. Je pense que les moyens sont là, les moyens scientifiques sont là. Ils nous permettent d'évaluer avec une précision largement supérieure à l'annonce de l'observation oculaire. Et pourquoi pas en tirer profit? Merci bien, merci infiniment Mohamed Moussaoui pour tous vos éclaircissements. Merci à vous Ahmed Jebbar de nous avoir édifiés par votre présentation. Et avant de vous quitter, je vous présente les livres qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Celui de David King que vous avez compulsé, Ahmed Jebbar, Astronomy and the Service of Islam, aux éditions Variorum. Et puis le vôtre, Ahmed Jebbar, Une histoire de la science arabe, aux éditions Le Point, collection Science. Et toujours de vous, en collaboration avec Marc Moyon, Les sciences arabes en Afrique, mathématiques et astronomie tout particulièrement, 9e, 19e siècle, et c'est aux éditions APIC. Le livre de Nidal Gessoum, Réconcilier l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroès aux presses de la Renaissance, et cet ouvrage, La science voilée, de Fawzia Farida Sharfi, Science et islam, chez Odile Jacob. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Alors à très bientôt sur France 2. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا